Je suis prêt, je suis prêt. On va pas regarder là. Peut-être baisser le son si jamais il y a du son sur la tablette et que vous entendez. Ah bah voilà. Ça commence. Très bien. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents parmi nous. On va passer d'abord les partenaires de l'événement. Parfait. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous à nouveau. On est ravis d'être parmi vous dans des circonstances un peu particulières. Hein, donc, vous nous voyez, on ne vous voit pas, mais c'est pas grave. Donc, je me présente, Pierre-Emmanuel Costeux. Je suis le co-dirigeant du cabinet Family & Co. Moi-même, ancien dirigeant d'entreprise familiale dans des groupes, dans des PME. Et mon associé, Laurent. Bonjour à tous, donc moi aussi co-dirigeant de Family & Co. Et moi je suis un ancien dirigeant d'entreprise familiale, j'étais le président du holding de ma famille aux côtés de 53 associés familiaux, ce qui m'a donné un rapport relativement intime au sujet de l'actionnariat familial et on va y venir tout de suite. Petite précision technique avant de démarrer. Pour ceux qui le souhaitent, nous sommes connectés au chat que vous trouvez sur le site de BPI. Donc si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Nous répondrons au fur et à mesure de la présentation ou bien à la fin de la présentation, on laissera quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, on commence juste pour un mot, 30 secondes sur Family & Co. Family & Co. 15 ans d'existence, 15 partenaires qui sont tous des anciens dirigeants d'entreprises familiales, et donc une expérience cumulée sur les entreprises familiales, la famille et l'entreprise, qui nous donne une connaissance intime de ces sujets-là. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Laurent, de quoi allons-nous parler ? Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de vous parler d'une démarche, d'un cheminement qui vise à identifier les enjeux auxquels sont confrontés les actionnariats familiaux, à les prioriser et à se donner les moyens de les traiter. Et j'insiste un petit moment sur cette dimension d'actionnariat familial. On connaît bien l'entreprise familiale, mais notre positionnement, c'est vraiment d'accompagner les familles dans leurs réflexions en tant qu'actionnaire et dans leur professionnalisation, dans leur rôle d'actionnaire. Et donc aujourd'hui, on va rester un moment sur cette articulation entre la famille et l'entreprise dans cette dimension donc d'actionnaire, donc les enjeux et risques de l'actionnariat familial. Comme l'a dit Laurent, on parle de deux mondes, entreprise et famille. Ces deux mondes, par définition, ne sont pas faits pour s'entendre naturellement. Et donc, il est important de constamment s'interroger, travailler sur la relation entre ces deux mondes. Je vous donne quelques exemples pour démarrer un petit peu en douceur. Alors, je ne suis pas certain que, vu la distance, vous les voyez, mais je vais vous les donner très tranquillement. Vous prenez le moteur qui anime chacun de ces deux mondes. Le moteur de l'entreprise, c'est la performance. Performance à long terme, en tout cas, c'est notre conviction, performance pérenne et positive dans la durée, mais performance quand même. Le moteur de la famille, c'est l'affection, l'entente. Comment est-ce que la famille s'apprécie, s'aime, s'entend ? Deuxième exemple, le mode de fonctionnement. Dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est un fonctionnement par, entre guillemets, leadership par étage. Vous avez des responsables qui viennent animer, faire vivre un collectif. Mais il y a cette dimension de leadership. Dans le mode de fonctionnement de la famille, c'est un mode de fonctionnement égalitaire. Vous avez trois frères et sœurs, par exemple, ils partent sur un même pied d'égalité dans la famille. Troisième exemple, le rythme. Le rythme de l'entreprise est un rythme rapide. 6 mois, 1 an, voire 5 ans grand maximum. Le rythme de la famille est un rythme générationnel. Donc générationnel, on parle de 20-25 ans. Donc vous avez un décalage de rythme très fort. Et cette dimension de long terme est une dimension fondamentale dans la dimension entreprise familiale.
Donc une complexité par la rencontre de deux mondes qui ne sont pas a priori faits pour fonctionner ensemble. Et cette complexité, elle est renforcée par le fait que ces deux mondes évoluent l'un par rapport à l'autre au fil du temps. Alors sur cette présentation, vous allez voir des éléments apparaître. Je vais vous les commenter parce que c'est un peu loin peut-être pour vous. Là, on va se concentrer sur trois dimensions du lien entre famille et entreprise. La famille, la dimension actionnariat, et l'entreprise. Au premier jour, c'est ce que vous voyez de loin sur cette présentation, ces trois dimensions sont superposées. La famille, c'est l'actionnariat, c'est l'entreprise, c'est le moment du fondateur, c'est le moment héroïque où l'aventure est portée seule dans une forme d'évidence. Le fondateur ou les fondateurs donc sont à la fois l'actionnaire, la famille et l'entreprise. Et puis intervient la première transmission. Et donc dans la première transmission, c'est ce qu'on voit apparaître ici, vous allez avoir nos trois cercles qui vont commencer à se disjoindre. Tous les actionnaires ne sont pas forcément familiaux. On peut avoir accueilli un actionnaire au bénéfice d'un projet ou pour financer cette première transmission ou pour X raisons, on peut avoir accueilli un nouvel actionnaire. Tous les familiaux ne sont pas forcément actionnaires. Dans la première transmission, on n'a peut-être pas transmis l'entreprise à égalité entre les enfants. On a aussi des conjoints qui arrivent. Donc on a une dimension de famille qui se développe de manière autonome vis-à-vis de l'actionnariat et de l'entreprise. Et heureusement, et on le souhaite, l'entreprise s'est aussi beaucoup développée. Et donc il n'y a plus de superposition entre la famille et l'entreprise. On commence à avoir trois univers qui se disjoignent et cependant, tout le monde est très en lien avec l'esprit des fondateurs. Les enfants ont été, entre guillemets, biberonnés à cet état d'esprit de l'entreprise, au sens qu'on souhaite donner à l'aventure familiale, et ils continuent à le porter, et à le porter ensemble comme une forme d'évidence, qu'on soit opérationnel dans l'entreprise ou pas vraiment, ce lien fait que cette évidence est là. On peut encore se contenter, à ce stade-là, de fonctionner de manière implicite. Et ensuite interviennent les autres transmissions, et donc vous voyez un nouveau schéma apparaître, avec les cercles qui continuent à évoluer les uns par rapport aux autres. Et donc la famille va peut-être être un peu moins actionnaire, ou un petit peu plus, je ne sais pas. On va avoir des actionnaires peut-être qui ne sont pas familiaux, peut-être que la société se sera cotée, peut-être qu'elle aura accueilli un fonds d'investissement pour financer un développement, et l'entreprise qui va continuer à croître. Et là, au fil de ces transmissions, on s'éloigne du moment de la fondation, et la motivation à être actionnaire ensemble, à rester ensemble, doit être recultivée. Les modes de fonctionnement pour coordonner ces trois cercles, pour synchroniser leur développement et faire en sorte que tout se passe bien, ça doit être structuré. Et donc on passe dans le moment de l'explicite et dans le moment aussi où un certain nombre d'enjeux et de risques peuvent se manifester au fil de ce développement. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Merci Laurent. Effectivement, passer cette introduction sur les spécificités de l'entreprise familiale, on va rentrer maintenant dans quels sont les enjeux auxquels les entreprises familiales sont confrontées. Donc l'idée là, c'est de comprendre les différents types d'enjeux, de savoir les identifier et donc de savoir faire quelque chose avec ces enjeux-là, de savoir définir un plan d'action et un plan de résolution des éventuels problèmes identifiés avec ces enjeux. Donc l'outil qu'on va détailler avec vous, c'est un outil à l'usage des actionnaires et de la gouvernance. Tu pourrais changer le... c'est un outil d'abord pour les actionnaires en charge, ceux qui ont la responsabilité pour le compte de la famille de l'entreprise. Mais c'est aussi un outil pour les actionnaires moins en charge, donc les actionnaires qui sont un peu plus distants du quotidien du business, du quotidien des enjeux de la famille, parce que ça leur permet de rester à bord et ça leur permet quelque part d'être sécurisés parce qu'ils ont conscience de ce sur quoi la famille doit travailler. Et c'est enfin un outil pour les dirigeants opérationnels, qu'ils soient familiaux ou pas d'ailleurs, parce que c'est un outil qui va leur permettre de faire le lien, de renforcer la cohérence entre la famille et l'entreprise. Donc ces enjeux, ils s'articulent autour de plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions
effectivement, on y vient tout de suite avec cette page-là, pour dire qu'on va vous présenter un cheminement en deux temps. Un temps qui porte sur l'identification des enjeux et des risques potentiels auxquels l'actionnariat familial va être confronté. Et un second temps sur comment est-ce qu'on traite ça, comment est-ce qu'on priorise. Là, on entre dans le premier temps sur comment est-ce qu'on identifie les enjeux. Et l'approche qu'on vous propose, c'est une approche à quatre niveaux, segmentée suivant les quatre dimensions de la relation entre la famille et l'entreprise. Ces quatre dimensions, vous les trouvez sur la présentation ici, schématisée. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire d'où vous êtes, mais on a une première dimension qui est relationnelle ou familiale. Et donc là, on va s'intéresser dans cette dimension-là à tout ce qui concerne la dynamique de relation entre les membres de la famille. Tous les membres de la famille ne sont pas forcément actionnaires. On a plusieurs générations et un certain nombre de problématiques dans lesquelles on va rentrer un peu dans le détail dans la page suivante. Première dimension donc familiale ou relationnelle. La seconde dimension ou la deuxième dimension, c'est la dimension patrimoniale. L'entreprise familiale, c'est un élément du patrimoine familial. Ça n'est pas l'entièreté du patrimoine familial. Parfois, c'est un élément prépondérant dans ce patrimoine, ça peut être aussi un des éléments parmi d'autres. Et donc, il y a une question qui va se poser à la famille actionnaire de comment est-ce que je gère l'entreprise comme un élément de mon patrimoine collectif et pour les familiaux comme un élément de mon patrimoine individuel, et on va y revenir aussi dans le détail. Donc première dimension familiale ou relationnelle, deuxième dimension patrimoniale, troisième dimension actionnariale, et donc là on se resserre sur l'entreprise elle-même. Et donc la famille est actionnaire d'une entreprise en particulier, et en tant que telle, elle va se donner des règles de fonctionnement, se donner un projet, des objectifs, et donc on a véritablement une dimension à construire qui est cette dimension actionnariale. Et on va y revenir aussi dans le détail, vous l'avez compris. Et enfin, une dernière dimension, qui est celle qui concerne directement l'entreprise dans son quotidien, c'est la dimension opérationnelle ou managériale, et comment la famille interagit avec cette dimension opérationnelle ou managériale. Donc on a ces quatre dimensions, et on a l'habitude de se concentrer dans l'entreprise familiale, en tout cas dans les personnes que nous rencontrons, sur les sujets patrimoniaux et opérationnels. Et donc là, tout l'enjeu, c'est bien de se poser la question de tous les sujets qui pourraient intervenir pour les anticiper au mieux, dans le temps. Voilà, et donc on va entrer sur la dimension familiale. Donc nous allons vous présenter. Merci pour les questions. Je vois qu'il y a pas mal d'interactions, donc ça c'est super. Demande d'envoyer la présentation. Ok, donc je crois qu'elle sera diffusée sur le chat dans quelques minutes. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévu de faire. On va vous présenter les dimensions, ces approches-là, ces différents niveaux de la relation entre famille et entreprise, dans le détail, autour de Marguerite, comme ça. Et donc, je vous ai parlé de famille, patrimoine, actionnaire et entreprise ou opérationnelle. Et donc, on entre sur le sujet de la famille. Et donc, sur le sujet de la famille, on a des questions qui reviennent systématiquement dans les familles. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un chemin de questionnement, c'est pas un chemin de solution. Parce que ce qu'on a constaté, nous, dans l'accompagnement des familles et dans notre expérience des entreprises familiales, c'est que les questions reviennent systématiquement. En revanche, ensuite, les enjeux qui concernent spécifiquement telle ou telle famille ou les réponses qu'on va apporter à ces enjeux sont toujours spécifiques. Et donc, on va vraiment être sur la clé de lecture pour vous des enjeux qui vont vous concerner. Sur la famille, on a un certain nombre de dimensions qui vont être interrogées. On va avoir des dimensions qui vont être des dimensions qui vont concerner l'identité de la famille et donc les valeurs qui vont la porter, la motivation des familiaux dans leur lien aux autres, l'entente entre familiaux, et puis des sujets de transmission, des sujets d'image et de réputation plus globalement, en lien souvent avec l'historique et le parcours qu'a mené la famille et le parcours de l'aventure familiale. Je veux rester une seconde sur deux dimensions. D'abord, les valeurs et la motivation. Sur cette dimension familiale, la question clé pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui nous lie au-delà d'activités en commun, etc. Quelles sont les valeurs qui nous tiennent et qui nous lient? Et donc là, il y a un premier sujet de réflexion et de travail sur pourquoi est-ce qu'on est ensemble et pourquoi est-ce qu'on est ensemble actionnaire en tant que famille? Quelle est mon identité familiale? Un deuxième sujet sur lequel je voulais insister, c'est l'entente. Quand on regarde la famille comme un collectif,
un collectif qui va être le collectif actionnaire d'une entreprise, on se pose cette question des relations spécifiquement. Les relations dans une famille, elles peuvent être marquées par plein de choses qui ont pu se passer par le passé. Et donc, on a un enjeu spécifique à veiller à la cohésion et à la dynamique familiale. Et dernier point sur lequel je voulais insister sur cette présentation-là, c'est la dimension intergénérationnelle de la famille. Et c'est la clé pour la pérennité de l'entreprise aussi, d'anticiper la logique de transmission et d'anticiper la manière dont on va accueillir les nouvelles générations. Toutes ces bulles-là sont autant de questions ou d'univers de questions à regarder pour évaluer si ma famille est exposée ou non à un enjeu ou à un risque particulier à anticiper pour être le moins exposé possible. Donc sur cette page-là, on est sur des dimensions qui se mesurent en amour, on est sur du lien, de la cohésion, de l'identité. Alors moi je vais moins vous parler d'amour, je vais vous parler d'euros, puisque la deuxième dimension c'est la dimension patrimoniale. Et mon ami Laurent vous a parlé notamment de plusieurs générations qui composent la famille. Qui dit plusieurs générations dit forcément transmission. Donc dans cette dimension patrimoniale, je vais insister d'abord sur la dimension transmission du capital. Quelques petites questions. Transmission du capital, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire transmettre à la génération suivante ou ça veut dire vendre, par exemple ? Est-ce que si ça veut dire vendre, ça veut dire vendre et chacun reprend ses billes, ou est-ce que ça veut dire vendre pour réinventer autre chose, réinventer une autre aventure familiale, peut-être dans une autre activité, dans un autre business ? Si c'est transmission du capital, est-ce que c'est transmission de tout le capital ou d'une partie ? Et est-ce que c'est une transmission égalitaire entre les enfants, ou bien est-ce que c'est une transmission où on va, par exemple, transmettre plus de capital à un enfant qui va prendre la direction opérationnelle de l'entreprise ? Et on va compenser les autres enfants avec d'autres actifs patrimoniaux. Et là, on voit bien que la transmission, elle est très liée aussi à la stratégie patrimoniale. On a potentiellement plusieurs actifs dans la famille, une entreprise, une autre entreprise peut-être. On a peut-être des actifs immobiliers, etc. Et donc, dans le travail sur le projet d'ensemble familial, la dimension patrimoniale vient au service du projet. Et donc le capital vient au service du projet. Il est en cohérence avec le projet et ceux qui vont porter le projet. Dernier point sur lequel je voulais insister sur la dimension patrimoniale, c'est qui dit capital dit transmission du capital, mais une fois que le capital est transmis, il faut que le capital continue de vivre. Il n'est pas figé pour l'éternité. Il y a cette dimension respiration du capital qu'il faut aussi prendre en compte. C'est ce qu'on a appelé sur le schéma que vous ne voyez pas, mais vous l'avez reçu par email, donc tout va bien. C'est ce qu'on a appelé la fluidité du capital. Donc comment est-ce que je fais respirer le capital ? Comment est-ce que je crée éventuellement des fenêtres ? Comment est-ce que j'organise des fenêtres de respiration du capital ? Ça peut prendre la forme, petit exemple, d'un pacte d'actionnaires qui dit que un mois par an, les vendeurs et les acheteurs peuvent se rencontrer au sein de la famille. L'idée n'est pas forcément de faire sortir le capital de la famille, mais il peut y avoir des vendeurs et des acheteurs au sein de ce capital parce que, par exemple, il peut y avoir un projet, quelqu'un qui a envie d'acheter, j'en sais rien, sa résidence principale, et qu'il a besoin de faire un petit peu respirer son capital pour pouvoir faire d'autres choses sans forcément remettre en cause le projet. Voilà. Donc dans cette dimension patrimoniale, vous avez bien compris, il y a ce côté euro, là on ne le mesure pas en amour, on le mesure en euro, et il y a cette dimension, comment est-ce que je structure mon patrimoine au service du projet familial global. Merci Pierre-Emmanuel, et on va enchaîner tout de suite avec la troisième dimension, qui est la dimension actionnariale. C'est une dimension qui est souvent peu organisée, peu structurée au regard de la dimension patrimoniale ou au regard de l'entreprise qu'on traitera juste après. Sur cette dimension actionnariale, c'est comment je fais en tant que famille pour être un bon actionnaire ? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon actionnaire ? Quel est le rôle
de l'actionnaire. Comment est-ce que je le tiens, ce rôle? Et comment je me mets en situation, en tant que famille, d'être dans un dialogue constructif avec la direction de l'entreprise? Et là, c'est peut-être l'enjeu le plus fort de cette dimension-là, de la dimension actionnariale. C'est comment je fais en sorte, en tant qu'actionnaire, que je sois actif quelque part dans l'entreprise ou pas, mais en tant que collectif actionnarial, d'avoir un dialogue équilibré avec la direction de l'entreprise. Et de ne pas, comme on a pu le rencontrer un certain nombre de fois, quelque part subir toute la partie, tout le drive, tout le leadership, toute la motivation, toute l'envie stratégique, etc., portée par un leader, un dirigeant charismatique. Comment je suis capable en tant qu'actionnaire de faire valoir les intérêts et les objectifs de l'actionnaire spécifiquement? C'est tout l'enjeu de cette partie-là. Et donc, dans cette dimension-là, on va avoir, après l'idée de stratégie patrimoniale que Pierre-Emmanuel a présenté tout à l'heure, on a l'idée de stratégie d'actionnaire. Quels sont les objectifs que je vais me donner en tant qu'actionnaire? Objectifs qui peuvent être de nature éthique, je veux voir des valeurs portées par l'entreprise ou les entreprises que je détiens. Objectifs qui peuvent être de nature financière, valorisation du patrimoine, revenus du patrimoine aussi, quand on pense aux dividendes. Objectifs qui peuvent être aussi de nature impact et sens, au-delà des valeurs que je veux voir incarner. Quel impact est-ce que je souhaite avoir avec l'entreprise? Comment est-ce que je fais levier sur une performance commerciale pour faire autre chose? Et cette autre chose, c'est peut-être la dimension de sens qui permettra de fédérer les familiaux autour d'un projet et de renforcer un socle actionnarial puissant au service du projet d'entreprise. Donc, une première dimension sur cette stratégie d'actionnaire. Dans cette dimension sur la stratégie d'actionnaire, j'ai parlé d'impact. On a l'habitude aussi de parler, nous, de responsabilité sociétale de l'actionnaire, qui vient en complément de la responsabilité sociétale de l'entreprise et de la responsabilité sociétale des marques. Tout ça devant vivre dans une belle cohérence pour que cela fonctionne. On a des sujets de transmission, évidemment, en tant qu'actionnaire, transmission du pouvoir, transmission de la légitimité. On a des sujets de relations actionnaires. En tant qu'actionnaire, on peut avoir au sein de la famille des majoritaires et des minoritaires et des intérêts divergents à prendre en compte. C'est une première dimension. Mais la famille, parfois, n'est pas seule non plus au capital de son entreprise. On peut avoir des familles associées à d'autres familles. On peut avoir des familles associées à des fonds d'investissement, à des partenaires stratégiques. On peut avoir des familles qui détiennent des entreprises cotées. Et donc, il y a tout un univers d'enjeux et potentiellement de risques qui sont associés aussi à la relation avec les autres actionnaires aux côtés de l'actionnaire familial. Et enfin, un point qui nous anime énormément et qui est clé dans cette dimension actionnariale, c'est la dimension de gouvernance. J'ai défini une stratégie, j'ai défini un projet de l'actionnaire, des objectifs. Comment est-ce que je fais pour créer autour de cette stratégie un dialogue avec l'entreprise ou les entreprises que je détiens? C'est le schéma de gouvernance qui va pouvoir servir de courroie de transmission. Et sur ce schéma de gouvernance, je dirais qu'il y a deux enjeux principaux sur lesquels il faut veiller particulièrement. D'abord, c'est à chaque sujet un espace au sein de la gouvernance. On a des sujets familiaux, on a des sujets patrimoniaux, actionnariaux et de l'entreprise. Tout ça ne peut pas se traiter au même niveau dans la même instance. Il est particulièrement important de réfléchir à quel espace je vais donner à quel sujet. Parce que c'est pas dans le conseil de l'entreprise qu'on doit traiter les sujets patrimoniaux. On pollue les sujets de l'entreprise et on traite mal les sujets patrimoniaux. C'est pas dans la dimension conseil de famille, par exemple, qu'on va traiter les sujets de l'entreprise pour les mêmes raisons de pollution mutuelle des sujets. Et la dernière chose, quand même, c'est que c'est pas non plus dans les poulets du dimanche midi en famille qu'on doit traiter les sujets patrimoniaux ou les sujets qui concernent l'entreprise. Et donc, un enjeu à prévoir des espaces pour chacun des étages de la relation entre famille et entreprise. Et la deuxième dimension qui est clé sur la gouvernance, c'est la dimension de composition des organes. Si vous avez un conseil de famille, un conseil de holding, un conseil de société opérationnelle, évidemment, les objectifs poursuivis par chacun de ces conseils sont très différents. Et donc, les profils à recruter dans chacun de ces organes sont différents. Plus on se rapproche de l'entreprise, plus on va être tourné vers la performance économique, métier, technique. Plus on remonte, plus on va être sur une stratégie plus globale, une stratégie d'allocation. Et pourquoi pas des sujets de sens et des sujets de cohésion et de dynamique familiale. Et pour ces différents sujets, différents profils et dans différents organes.
Je voudrais juste citer un petit exemple, si tu me permets, Pierre-Emmanuel. Pour illustrer tout ça, avec ces trois dimensions qu'on vient de citer, on porte vraiment là le socle actionnarial. Les dimensions relationnelles, les dimensions patrimoniales, les dimensions actionnariales. Et c'est ce qui aussi illustre tout ce qu'est le rôle de l'actionnaire par rapport à ce qui sera traité plus directement dans l'entreprise, ce qu'on va voir juste après. Et quelle est la traduction pratique? Si on devait citer un exemple aujourd'hui, on pourrait citer l'évolution de PPR en Kering. On a bien des actionnaires qui sont portés par un sens, qui sont dans une logique de transmission. Et pour autant, l'entreprise en dessous a largement évolué dans ses composantes. Et on est passé d'une structure de distribution très large à une structure tournée vers la mode et le luxe, radicalement transformée. Ça, ça ne peut pas se faire sans avoir une stratégie patrimoniale et d'actionnaire qui soit forte à côté de la stratégie des entreprises. Donc voilà, un bel exemple de rôle actionnarial particulièrement bien tenu. Et donc la quatrième dimension, c'est la dimension qui concerne plus directement l'opérationnel. Merci Laurent. Juste avant de basculer sur l'opérationnel, on a vos chats en direct, donc on a vu qu'il y avait des jolies questions de Jessica, de Valentin, de Julien, etc. On arrêtera 10 minutes avant la fin pour prendre ces questions-là. Donc ne vous inquiétez pas, on les a bien en tête. Je ferai bien parce que je connais un peu mon associé et voilà. Alors vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a une énorme horloge qui égrène les secondes. Et donc nous, on a une espèce de lumière rouge dans les yeux qui nous dit il reste 19 minutes 32. Voilà. Bon, plus sérieusement, donc Laurent a parlé de gouvernance, notamment comme une des dimensions de la dimension actionnariale. Je prends la zapette parce que Laurent avait dit qu'il faisait la zapette, mais il la fait pas. Et la dernière dimension, c'est la dimension opérationnelle managériale. Et il y a un lien très fort entre la gouvernance et l'opérationnel des business et des entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est cette gouvernance-là qui va permettre à l'opérationnel d'avoir le lien avec la famille. Le lien avec la famille, il sert à quoi ? Il sert à ce que la famille dise au patron, aux dirigeants des entreprises que la famille possède, de dire voilà, notre identité, c'est ça. Nos valeurs, c'est ça. Les orientations que nous vous donnons en tant que famille sont celles-là. Et derrière, ce que font les dirigeants de l'entreprise, qu'ils soient familiaux ou pas, ils traduisent cela en une stratégie d'entreprise, qui est la bulle que vous avez là. Ils se disent, par rapport à ce que la famille nous envoie comme orientation actionnariale, on va déployer une stratégie de telle manière ou de telle manière. On va d'abord aller dans tel pays. Je dis n'importe quoi, mais on va d'abord se diversifier là-dedans ou là-dedans, parce que c'est l'orientation de notre actionnaire. Donc il y a cette dimension lien avec la famille qui est fondamentale. Dans une autre dimension sur laquelle on aime beaucoup insister, il y a la transmission du pouvoir aussi. On a parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, et ça a d'ailleurs fait rire certains quand je vous disais je vais moins vous parler d'amour et plus vous parler d'euros. Ben, je vais plus vous parler d'euros, je vais vous parler de pouvoir. Quand il y a un passage de génération, il y a une transmission du pouvoir qui s'opère. Et cette transmission du pouvoir, elle a forcément un impact sur l'opérationnel. Et donc il y a cette dimension de comment est-ce que je prépare la relève, la suite, etc. Ça, c'est fondamental. La famille, elle doit forcément réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce que ça va impacter le pilotage de ses business. Et lié à cette dimension-là, il y a une dimension que nous, on qualifie de RH familiale, ressources humaines familiales. Quand vous êtes un familial opérationnel dans une boîte, vous n'êtes pas un opérationnel comme les autres. Parce que vous portez l'image de la famille. Ça implique quoi ? Ça implique plein de choses. Ça implique des droits et des devoirs. Ça implique des droits parce que vous êtes investi dans l'opérationnel, et alors que tout le monde dans la famille ne l'est pas forcément. Mais ça implique aussi des devoirs parce que vous portez l'image, l'identité, les valeurs de la famille à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, nous, sur ces dimensions-là, on insiste beaucoup sur la nécessité d'avoir des référents RH familial qui ne soient pas de la famille, pour que le familial qui est dans la famille, il ait un interlocuteur qui ne soit pas son père, sa sœur ou son cousin, pour pouvoir justement parler de certaines choses. Et de la même manière, si dans certaines familles nombreuses, il y a des opérationnels à tous les étages de l'entreprise, des opérationnels familiaux, si l'opérationnel familial a un manager qui n'est pas familial, il faut que ce manager non familial puisse aussi avoir un interlocuteur qui ne soit pas le père ou la sœur ou le cousin
de la personne qui est sous sa responsabilité pour pouvoir parler de ces choses-là. Voilà, quelques zooms très, très concrets sur les quatre dimensions. Donc, je vous rappelle, famille, patrimoine, actionnaire et opérationnel. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'une fois que vous avez réfléchi sur chacune de ces dimensions et sur chacun de ces enjeux, qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce qu'on priorise ? Une petite chose que je voulais ajouter, c'est que ceci n'est pas une présentation pour faire peur aux actionnaires familiaux. Ceci est une présentation pour mettre les actionnaires familiaux en situation d'anticiper. Et on y reviendra tout à l'heure dans la conclusion. Je voudrais dire aussi une deuxième chose, c'est que c'est très structuré parce que notre conviction, c'est que pour aller au contact des enjeux, la meilleure solution pour le faire, c'est de séparer les sujets et de séparer les approches. Et donc, c'est pour ça qu'on propose cette approche en quatre dimensions. Et enfin, le point que je voulais faire aussi, c'est que ça vaut quelle que soit la taille de l'entreprise. On pourrait citer un certain nombre d'exemples d'entreprises de passage de première à deuxième génération sur lesquelles on doit se poser ces questions-là. On doit se poser la question de pourquoi on reste ensemble en tant qu'actionnaire. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Au nom de quoi? Quels sont les objectifs qu'on poursuit? Et comment est-ce qu'on va s'organiser pour le faire? C'est plus ou moins complexe, il y a plus ou moins d'enjeux à prendre en compte, mais ça vaut pour toutes les tailles d'actionnariat et ça vaut pour toutes les tailles d'entreprise. Et je repasse la parole à Pierre-Emmanuel sur la priorisation de ces enjeux, puisqu'effectivement, on passe sur le deuxième temps. Après l'identification des problématiques que vous pourriez avoir à traiter, comment est-ce qu'on s'organise pour traiter tout ça? Donc, quatre dimensions. Il faut passer en revue chaque item et se dire, cette revue, vous la faites seule ou vous vous faites aider. Hein, et vous vous dites, mais où est-ce qu'on est bon et où est-ce qu'on n'est pas bon? C'est simple. Vous prenez les items et vous dites, est-ce que je suis bon là-dedans ou est-ce que je suis pas bon? Et là où vous n'êtes pas bon, où vous considérez que vous pourriez être meilleur, vous faites un. Quelle est l'importance de ce point-là? Est-ce que c'est très impactant ou est-ce que c'est plutôt accessoire? Deux. Quel est mon niveau de maîtrise? Est-ce que je suis capable d'agir là-dessus ou est-ce que ça va être très compliqué, donc il va falloir peut-être que je me fasse aider ou etc. Et trois. Quel est le niveau d'urgence? Est-ce qu'il faut que je traite ça maintenant ou est-ce qu'il faut que je traite ça plus tard, ou etc. Et ça vous donne, alors on l'a illustré par une jolie matrice, ça vous donne, alors là je suis sûr que vous ne voyez rien, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer, ça vous donne l'impact potentiel, ça c'est l'importance, plus ou moins. La maîtrise, je suis capable de gérer le truc ou pas, plus ou moins. Et là on est sur une grille à court terme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite. Là on a mis illustration, enjeu de transmission du capital. Impact potentiel énorme, maîtrise faible, c'est urgent. Ok, donc il faut que je traite ça d'abord. On vous a mis avec un tout petit peu moins d'urgence, enjeu de transmission de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on a séparé les deux? Parce que par exemple, l'enjeu de transmission du capital, vous pouvez avoir des échéances fiscales. Et donc l'urgence, elle est là maintenant, parce que dans 3 mois ou dans 6 mois, pour X raisons, parce que vous êtes un anniversaire ou tout ça, c'est trop tard. En revanche, l'enjeu de transmission de pouvoir, vous pouvez peut-être le préparer un peu plus dans le temps. Donc, cette grille-là, il faut pouvoir la faire court terme, moyen terme, long terme. Ah oui, pardon, mais je ne voyais pas. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il faut se dire qu'est-ce que je prends maintenant, qu'est-ce que je prends dans un an, qu'est-ce que je prends dans 3 ans, etc. Parce qu'il faut pouvoir prendre les sujets les uns après les autres. Donc, il faut anticiper les choses et les séquencer. Mot de la fin, effectivement, pour dire que toute cette présentation, elle vise à vous faire prendre conscience en tant qu'actionnaire et en tant qu'actionnaire familial en particulier, de toutes les dimensions sur lesquelles il peut y avoir des choses à anticiper pour que, si les choses se passent bien aujourd'hui, surtout, ça dure longtemps. Et donc, on vous propose ce schéma en deux temps, d'identification, puis de priorisation du traitement de ces risques. Il y a, de toute façon, toujours des risques que vous n'aurez pas anticipés. Évidemment, ça ne sera pas exhaustif.
Le meilleur exemple, et c'est presque une évidence de faire référence à ça aujourd'hui, mais le meilleur exemple, c'est le confinement et ce qui nous est arrivé autour de la Covid, et ce qui nous arrive toujours d'ailleurs autour de la Covid. Ça, très peu d'entreprises avaient anticipé ce risque spécifique. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui se sont organisées pour travailler de manière spécifique les dimensions familiales, patrimoniales, actionnariales et opérationnelles. Les familles qui se sont, ou les actionnaires qui se sont habitués à travailler ensemble, à partager un langage commun, à savoir pourquoi ils font les choses ensemble, ont eu cette espèce de guide et puis les espaces pour travailler sur les solutions dans le cas d'une crise inédite, lourde, majeure, tout ce qu'on veut, qui est cette crise dans laquelle nous sommes depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, le mot de la fin, avant de passer à la réponse aux questions, ce serait de reprendre déjà ce qu'a dit Pierre-Emmanuel en introduction, en vous disant que cette cartographie, c'est un outil à disposition des actionnaires qui jouent un rôle dans la gouvernance pour avoir une forme de maîtrise sur la manière dont les choses seront faites et dont les choses vont se présenter dans le temps. C'est un outil à destination de tous les actionnaires, même ceux qui ne jouent aucun rôle, parce qu'ils ont la perception, grâce à cet outil, d'une forme de maîtrise et d'anticipation sur les grands sujets. Et enfin, c'est un outil à disposition des dirigeants, parce que les dirigeants ont donc presque une feuille de route, même si elle est relativement macro, pour traiter les sujets. Et donc le mot de la fin, ce serait celui que vous voyez de loin ici, mais avec cette approche-là, anticiper le plus possible pour improviser le mieux possible. Et maintenant, nous allons répondre aux questions. Je passe la parole à Pierre-Emmanuel. Oui. Merci. Il reste à la grosse horloge rouge qui clignote 9 minutes 40. Donc, on a le temps de prendre des questions. Je dis juste d'abord un grand merci à Jonathan qui a joué. Donc, Jonathan, c'est le responsable méthode dans notre cabinet, qui a joué le rôle du modérateur sur le chat et qui vous a fait passer la présentation pour que vous puissiez suivre en même temps, avoir le son et l'image en même temps. Première question de Jessica sur peut-on raisonnablement se lancer dans une affaire en famille quand tout le monde a des visions du monde ou de l'entrepreneuriat assez différentes? Alors la réponse déjà est oui, clairement. Nous on accompagne des familles qui sont composées de 2 à 800 personnes. Deux personnes, c'est monsieur, madame en général, ou madame, monsieur. Hein. Et après, il peut y avoir les enfants, on passe à 3, à 4 ou à 5 personnes, etc. Et 800 personnes, on est déjà à la 4e, 5e, 6e génération. Vous imaginez bien que sur 800 personnes, il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes quasiment. Ou en tout cas, il y a plusieurs tendances, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est toute la dimension, la première dimension, entre guillemets, la dimension familiale. Une famille, c'est composé d'individus différents qui ont des envies différentes, etc., et qui vont se rassembler parce qu'ils vont travailler sur cette différence, donc prendre conscience des différences de chacun, mais en même temps se rejoindre sur un certain nombre de points. C'est parce qu'il y a ce travail sur une vision commune et que les particularismes de chacun vont apporter quelque chose au projet d'ensemble que ça va marcher. Voilà. Plus l'actionnariat est divers, mais plus il travaille sur la conscience de cette diversité et la conscience de ce qui vous rassemble, voilà, le dénominateur commun au-delà de cette diversité, que ça va marcher. Et ça, pour le coup, garantie sur facture, depuis 15 ans qu'on accompagne de très nombreuses familles. Laurent, je ne sais pas si tu veux compléter ou si on passe à la question suivante. Je vais passer à la question suivante en vous disant que c'est assez étonnant, je ne sais pas si vous entendez le son qu'on a ici, mais de parler avec un fond sonore de allumer le feu, c'est assez bon et c'est assez inhabituel. Une question sur la gestion des fonds en commun. La gestion des fonds doit-elle être mise en commun ou pas? Évidemment, il y a autant de réponses que de situations. Tout dépend du projet que vous vous donnez collectivement. Il y a déjà une dimension des fonds qui est gérée collectivement, qui est l'entreprise elle-même. Donc la dimension actionnariale de ce projet, actionnaire d'une entreprise. Ensuite, peut-être que, étant actionnaire de cette entreprise, vous avez des fonds qui sont remontés et vous avez des fonds à gérer. Et là, est-ce que vous écrivez un projet commun avec ces fonds? Ou est-ce que c'est plutôt des histoires individuelles qui vont s'exprimer? Et là, c'est toute la question de ce que vous souhaitez faire ensemble. Et donc, on a des familles avec nous qui décident qu'ils sont réunis uniquement autour de l'entreprise et tout ce qui concerne la gestion des fonds, la diversification des risques, c'est géré individuellement.
On a aussi des familles qui considèrent qu'elles doivent rester ensemble. Et rester ensemble, c'est parfois pour mener un projet avec un sens particulier qui va compléter ce qu'est l'entreprise. Pourquoi pas un projet d'investissement en développant une certaine philosophie d'investir qui correspond à la philosophie d'être actionnaire que cette famille a pour son entreprise. Et il y a aussi une dimension qu'on a assez peu abordée aujourd'hui, qui est la dimension philanthropique. Dans un projet de sens global autour d'une entreprise familiale, on peut aussi déployer un projet philanthropique. Et donc là, c'est bien une dimension de gestion des fonds qui se fait en collectif aussi. Donc autant de réponses finalement à la question que de situations. En tout cas, je répondrai à cette question par une question, c'est quel est le projet ? Et en fonction du projet, vous pourrez arbitrer sur collectif ou individuel sur la gestion de ces fonds. Oui. Et en complément de ça, je prends les questions que j'ai vues passer sur qui sont plus tournées sur des jeunes entreprises, c'est-à-dire quel est le volume de la love money et la valeur de la love money par rapport à d'autres investisseurs qui viennent en complément, ou quelle est la bonne répartition entre fondateurs d'une entreprise, quelle est la bonne répartition du capital. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. On n'a pas de vérité absolue, entre guillemets. La seule vérité qu'on peut vous livrer là, c'est que quel est le projet commun ? Quand vous prenez un actionnariat qui est composé d'une famille qui a à côté d'elle 20% du capital en bourse et qui a à côté de ces 20% du capital 10% possédé par une banque ou un fonds, etc. Et la famille a 60-70%. Quel est le projet commun ? Pourquoi est-ce que la famille, à un moment, est allée en bourse ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait entrer une banque, quelle que soit cette banque, etc. Et du coup, quel est l'apport de chacune de ces composantes-là ? C'est ça qu'il faut réinterroger en permanence et du coup, être capable d'adapter le capital au projet et aux différentes composantes de ce projet-là. Je finis juste sur la répartition du capital entre les fondateurs. Pareil. Je vais vous donner un exemple très trivial. Nous sommes tous les deux co-dirigeants de Family & Co, Laurent et moi. Nous avons 50-50 du capital. 50-50 strict. Tout le monde nous a dit, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Voilà. Bah, nous, on l'a fait. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Et ça se passe extrêmement bien. Mais c'est notre projet. Et on a fait ça parce que c'est notre projet. Voilà, il y a d'autres schémas où un 51-49, par exemple, aurait peut-être été beaucoup plus pertinent. Donc la répartition du capital entre 3 ou 4 fondateurs, elle dépend du projet, de la valeur de chacun dans le projet. Et donc ça peut être, si vous êtes 3, 33-33-33, comme ça peut être 50-25-25. Ce qui est sûr, c'est que dans l'association, et là moi je vais remonter d'un cran sur des entreprises plus matures et notamment sur les entreprises familiales, dans l'association, quand on décide de s'associer et de faire entrer quelqu'un au capital, c'est pour des bonnes raisons et c'est pour des raisons qui sont clairement posées. Et en s'entendant bien sur les finalités et les objectifs de chacun, et en ayant bien conscience que c'est pas parce que un fonds d'investissement, par exemple, devient actionnaire d'une société familiale que tout d'un coup il va se comporter comme un actionnaire familial. Il faut rester bien dans la conscience des objectifs que chaque type d'actionnaire a en venant contribuer au projet, et c'est comme ça qu'on va bien dérouler le projet qu'on souhaite se donner. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas que j'en ai vu. Moi, je voudrais bien conclure ou apporter un élément complémentaire en disant mais tout ça, c'est un petit peu disparate. Il y a beaucoup de sujets sur beaucoup de niveaux, etc. Comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à tout ça ? Un grand nombre de familles mettent tout ça ensemble et s'entendent sur tous ces éléments-là dans un document qui va s'appeler projet d'actionnaire ou charte d'actionnaire. Et donc, elles vont se donner la possibilité de régler leur fonctionnement autour de valeurs, d'objectifs communs et de modalités de fonctionnement qui sont en fait couvertes par toutes les thématiques qu'on a posées ensemble aujourd'hui. Cette charte va être à la fois une référence sur un certain nombre d'événements, de modes de fonctionnement, etc. Et puis, à la fois, cette charte, on va lui donner une date limite. Et dans un grand nombre de cas, ces chartes sont signées pour 5 ans, ce qui encourage à leur renouvellement, à réinterroger les valeurs, à réinterroger le projet, les modes de fonctionnement, les rôles de chacun, etc. Donc, c'est avoir une charte, c'est à la fois un outil d'organisation et d'anticipation. Et c'est à la fois un outil, par cette clause de rendez-vous, qui permet de se dire qu'on va on va réinterroger le projet. Et on va se reposer la question et les bonnes questions régulièrement pour faire durer le mieux possible l'aventure collective.
Voilà. La grosse horloge rouge qui nous éblouit depuis tout à l'heure nous dit qu'il reste un peu plus d'une minute. Donc, ça a été un plaisir d'animer cette conférence. Merci à vous. Merci à vous aussi pour vos encouragements sur le chat, parce que voilà, c'est pas forcément pas facile de parler à une caméra qui nous regarde et de parler à un chat qui clignote derrière. Mais c'était un plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on approfondisse des choses avec vous, n'hésitez pas à nous faire signe, etc. Et voilà. Et puis à très bientôt. Et merci à BPI France. C'est quand même très important de remercier la BPI pour organiser ces événements, y compris dans le contexte actuel, avec toutes les difficultés que ça implique, pour pouvoir donner la parole aux dirigeants, aux entrepreneurs. C'est exactement ce que je voulais dire. Précipitez-vous sur la prochaine masterclass, parce que je suis sûr qu'elle va être passionnante. En tout cas, nous, on va y aller. Merci à tous. Là, on te voit revenir. Là, on me voit faire couper.